Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Black Sad, Under the Skin, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ou pas, c'est à vous de voir, Monsieur Black Sad. Moi, je m'assurerai que vous receviez une juste compensation. Wilson, ramène-toi. Donc, on avait déjà vu ce bout-là hier. On s'est rendu jusqu'à l'intérieur de la maison et on avait arrêté là. Allez, l'enquête. Un parfum de femme, presque angélique. Je ne vois pas trop en quoi la passion de Yale pour les cornichons pourrait m'aider à résoudre l'affaire, mais c'est toujours bon à savoir. Le plus pénible avec les gars d'O'Leary, ce n'est pas le passage à tabac, mais plutôt le fait que je ne peux pas déterminer ce qui vient d'eux et ce qui est à Yale. Pas sûr que ce soit la boisson idéale pour un sportif. Par contre, ça pourrait coller comme casse-croûte classique de gros bras de bookmaker. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Ça veut donc dire qu'elle est venue ici récemment. Mais pourquoi? Que peut donc avoir à faire la douce Marie avec Yale, le meurtrier présumé? Écrire tout un bouquin sur les fables françaises du XVIIe siècle. Elle doit vraiment beaucoup s'ennuyer, cette Madame Meyer. À en juger par l'état général de l'appartement, il ne devait pas servir souvent. Comment ça se fait? C'est pas fluide dans tout le bonhomme, là. Ils sont pas perçus de ça quand ils ont joué, hey, c'est pas fluide. On dirait que Bobby n'a pas fait qu'hériter du talent pour la boxe de son père. En plus de la fâcheuse tendance à disparaître sans laisser de traces, évidemment. Jolie chaîne.
Alors, Bobby, on aime les histoires de gangsters ? À quoi bon avoir une si grande armoire pour si peu de vêtements ? Enfin, c'est assez typique des célibataires, à vrai dire. Exemplaire 1 sur 3. Tu connais un peu ses proches ? Son père, Avenarius. Avenarius ? Le poète boxeur ? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans ? Bark. Jugé par l'état général de l'appartement, il ne devait pas servir souvent. Je ne pouvais pas faire courir un tel risque à Marie. Avec les types comme O'Leary, on ne sait jamais. J'ai donc mis les voiles, non sans emporter un petit cadeau au passage. Je n'ai jamais fait confiance aux anges. Monsieur Blacksad, quel... Surprise. Lorsqu'il chute, il se transforme en démon. Joey m'a dit qu'il comptait passer l'après-midi à repeindre le gymnase et que Bobby devait réparer quelque chose sur le toit. Donc, après avoir découvert le corps et appelé la police, je suis passée chez Bobby, mais il n'était pas là. Comment avez-vous ouvert la porte de son appartement ? Je crois que c'était déjà ouvert. Tout est si confus. Pardonnez-moi, monsieur Blacksad. Ne vous en faites pas. Je suis là pour faire la lumière sur tout ça. Parlez-moi un peu de vos liens avec Bobby Yale. Bobby était comme un fils pour Joey, et nous étions sur le point de nous marier, alors... Bon. Je crois qu'il est temps de tirer tout ça au clair.
Je sais que vous trompiez Dunn avec Yale. À moins que ce n'ait été dans l'autre sens. Mais non ! Comment pouvez-vous penser une chose pareille ? Pouvez-vous me prouver le contraire ? J'ai trouvé cette photo dans l'appartement de Yale. Lui et vous sur un grand 8. Vous pouvez m'expliquer, Mademoiselle Purnell ? Je ne suis pas blanche, Monsieur Blacksad. Pardon ? Sept de mes arrière-grands-parents étaient blancs. Le huitième était noir. D'après la loi, je suis une citoyenne noire, même si ma peau clame le contraire. Savez-vous ce que cela signifie lorsqu'on est né à North Arlington, dans l'Alabama ? Des soins médicaux ségrégés, beaucoup moins efficaces que pour les blancs. Même les fontaines à eau ne sont pas partagées. La doctrine du ego m'est séparée en toute chose. Quelle connerie. Un joli tas de mensonges. C'est pour ça que j'ai emménagé ici. Personne ne sait si je suis noire ou pas. Je vous comprends très bien, Marie. Et imaginez un peu si, en plus, vous étiez une femme. C'est mon neveu, Monsieur Blacksad. Depuis la mort de sa mère, ma sœur, quand le pauvre Bobby n'avait que 15 ans, Joey et moi avons pris soin de lui. Nous étions allés tous les trois nous amuser dans ce Luna Park. C'est donc là que Joe Dunn entre en scène. Bobby était le seul à être au courant pour Joey et moi. Nous avions peur que quelqu'un utilise mon passé pour ruiner sa carrière. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Vous auriez dû me parler de tout ça plus tôt. J'ai passé toute ma vie à le cacher. Pardonnez-moi. Marie sent... En fait, toute la pièce sent la tarte fraîchement sortie du four. Je n'arrive pas à identifier d'autres odeurs. Une télé et une radio, tout en un. On n'arrête décidément pas le progrès. Tout droit sorti du four. Toute la pièce sent la tarte. Cette tarte aux cerises sent vraiment bon. Elle est en train de me donner faim. Merci. Je l'ai sortie du four juste avant votre arrivée. Oh, quelle sotte je fais. Je suis la pire hôtesse du monde. Je vais aller chercher un couteau. Vous devez aussi avoir soif. Voyons, j'ai du jus d'orange, du café. Je prendrai bien un café, merci. Elle porte les mêmes vêtements sur les deux photos. Elle dit probablement la vérité.
Désolé, je voulais vous donner un coup de main avec ça. À propos de Sonia Dunn et de l'Alliance, eh bien, je lui ai parlé de vous et de Jordan. Je n'avais pas le choix. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Je crois qu'elle ne l'a pas très bien pris, mais elle finira sans doute par comprendre. Peut-être. Mais maintenant, je ne suis pas sûre que vous serez en mesure de garder mon autre secret. Vous devriez ouvrir une pâtisserie pour y vendre vos tartes. Merci. Joey disait la même chose. Votre secret est en sécurité avec moi. Je vous crois. Merci. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous avez un lit double dans la chambre. Vous... Quoi ? Désolé. Je tenais à m'assurer que Bobby Yale n'était pas caché quelque part. Oui. C'est Joey qui a acheté cet appartement. Nous étions censés nous y installer après le mariage. J'ai quitté mon appartement et j'ai emménagé ici pour économiser un peu. S'il avait quitté son appartement pour s'installer ici, vous auriez pu économiser encore plus. Je ne suis pas une tapineuse, Monsieur Blacksad. Intéressant. À présent qu'il ne reste presque plus de tarte, son odeur a également disparu. C'est curieux, ça. À présent, Marie a une odeur de gros chien. Marie, quand comptez-vous arrêter de me mentir ? Je sais que votre neveu est ici, je peux le sentir. Hein ? Mais non ! Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas où il est. Écoutez, je comprends pourquoi vous cherchez à le protéger. Mais il a tout intérêt à arrêter de jouer à cache-cache. Vous pouvez fouiller toute la maison si vous voulez, allez-y. Il n'est pas là. Eh la minute, ce n'est pas elle qui sent comme ça. C'est de là que provient l'odeur de Bobby Yale. C'est pour ça que vous vous teniez là. Je ne vous suis pas. Oh, que si. Pourriez-vous vous pousser afin que je vérifie, s'il vous plaît ? Allez-vous-en. Marie, je vous en prie, posez calmement ce couteau. Partez, ou bien je... Marie, je suis là pour vous aider. Je vous assure, je suis sérieuse. Je ne veux aucun mal. Laissez-la tranquille. Bobby. Oh!
Votre côté, Bobby. Mais je ne suis pas du vôtre. Appelez une ambulance. Bobby. Vous m'avez entendu, dépêchez-vous, appelez une ambulance, tout de suite. En cas de crise cardiaque, il y a deux choses à ne pas oublier. Un, garder son calme. Deux, une compression de la poitrine par seconde. Un Mississippi. 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi. Bobby. Bobby. Merci. J'avais des tas de raisons de croire que la journée avait été bonne. J'avais enquêté sur une affaire de suicide. J'avais découvert qu'en réalité nous avions affaire à un meurtre. J'avais trouvé et capturé le principal suspect. Et j'avais sauvé une vie. Pourtant, tout en moi me hurlait que quelque chose n'allait pas. Mais alors, pas du tout. Promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi. Je me plais à croire que nous ne sommes pas de simples justiciers. Je voudrais un pistolet. Qu'est-ce que tu fous ? Bon. Un certain niveau de violence, d'extorsion et de victime. Je peux pas pousser les détectives. C'est vous, Smirnov? Je vous trouve un peu agité. Un cauchemar? Oh. Ouais, j'en fais souvent. Bienvenue au club. Vous ne seriez pas mieux chez vous? Vu son état, je peux vous garantir que Yale ne risque pas de remettre les voiles de sitôt. Et puis, nous allons prendre le relais, de toute façon. Merci. Je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. C'est peu de le dire. En ce qui concerne ce qui s'est produit hier, vous m'aviez promis de ne pas intervenir. «
Si je n'étais pas intervenu, Bobby Hale serait certainement mort. Si vous m'aviez prévenu, nous lui aurions probablement évité de faire un infarctus. Bon, ce qui est fait, est fait. Quand avez-vous compris exactement que c'était lui l'assassin ? Par pure curiosité professionnelle, bien sûr. Lorsque j'ai réalisé que l'arme du crime lui appartenait. Et au niveau du mobile ? Vous avez quelque chose ? Je sais que Dunn voulait annuler le combat parce que Yale avait fait quelque chose. Mais je ne sais toujours pas quoi. Bon, eh bien, j'espère que Yale pourra nous en dire plus. Pensez-vous pouvoir me laisser lui poser quelques questions lorsqu'il se réveillera ? Je sais que vous le ferez, avec ou sans ma permission. Alors je préfère ne pas me sentir trahi, mais en échange, passez me voir au poste à l'occasion. Votre enquête pourrait vraiment être utile à mes hommes. Qui, maintenant que j'y pense, attendent de moi que j'aille interroger Mary Purnell ? Bon sang, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour parvenir à lui faire lâcher Yale. Vous pouvez mettre le paquet avec elle. C'est une sacrée menteuse. Ok, merci pour le tuyau. Quant à vous, allez donc vous reposer. Vous m'avez l'air d'en avoir sacrément besoin. Ok, merci pour le conseil. Qu'une infirmière jette un œil à votre visage. Vous avez l'air d'un détective à la fin d'un film noir. Je crains que ce film soit loin d'être terminé. Pour votre bien, j'espère que vous vous trompez. Je vous laisse aux commandes, officier. Ok. Je vous ferai relever dans 6 heures, compris ? Docteur. Oh, détective, félicitations. Vous vous êtes bien débrouillé face à ce genou. Tout le monde n'en aurait pas été capable. Bon, si vous voulez bien m'excuser. C'est mon truc. Je retombe toujours sur mes pattes. Dans notre société, nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous croyons dur comme fer qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance, qu'il est naturel et bien fondé. Comment va Yale ? Est-il réveillé ? Oh oui ! Allez donc le voir avant qu'il ne s'endorme à nouveau. Enfin, évitez tout de même de trop le fatiguer avec vos questions. Sera-t-il en état de se battre dans 2 semaines ? Il est trop tôt pour le dire. Il a quand même fait un infarctus. Partez. Je ne veux pas vous voir. Le docteur a dit que je devais dormir. Il est rare d'avoir l'occasion d'interroger un suspect ayant baissé la garde. D'autant plus dans un endroit aussi calme que celui-ci. C'est carrément un luxe de pouvoir étudier son langage corporel sans la moindre interférence extérieure. Son rythme cardiaque augmente. Cela pourrait signifier qu'il ment ou tout simplement que la rage est en train de monter en lui.
Il serre le poing, un signe de colère contenue. Il me regarde droit dans les yeux. S'il n'était pas en mesure de soutenir mon regard, je pourrais croire qu'il me ment. Mais ce n'est pas le cas. Poing serré, rythme cardiaque élevé, regard fixe. La rage qu'il éprouve à mon encontre est authentique. Je suis désolé que vous ne souhaitiez pas me voir, mais... Je vous ai sauvé la vie, quand même. Ma tante vous est peut-être reconnaissante, mais moi pas. Bah, avec ce qu'on m'a refilé, de toute façon, je vais pas tarder à ronfler. Ok. Alors je vais aller droit au but. Est-il en train de mentir ? Ou bien est-ce la colère qui fait augmenter son rythme cardiaque ? Cherche-t-il à contenir sa colère ? Il n'arrive pas à me regarder droit dans les yeux. À mon avis, il ment. Qui a tué Jordan ? Quoi ? Vous essayez de m'embrouiller ? Il s'est pendu, Joe. Don était trop petit pour avoir pu se pendre avec cette corde. Mais alors, c'est vrai ? Il a été assassiné ? Je sais que Don vous avait menacé d'annuler le combat. Pourquoi ? Comment vous savez ça ? Je suis détective. C'est la colère qui a parlé. Il n'aurait jamais été faire un truc pareil. C'est sans importance. Pourquoi était-il à ce point en colère après vous ? Qu'aviez-vous fait ? Rien. Joe trouvait que je m'entraînais pas assez. Il avait peur que je perde. Très bien. Admettons un instant que je vous crois. L'assassin a tué Don avec un extenseur de pectoraux, puis a maquillé la scène pour faire croire à un suicide. Mais il a aussi laissé suffisamment d'indices pour s'assurer que l'on retrouve la véritable arme du crime. Puis il a placé la boîte de l'extenseur de pectoraux dans votre casier pour vous incriminer. Qui serait suffisamment retors pour planifier tout cela ? Et quel pourrait être son mobile ? Je sais pas. Et si c'était Sonia Don ? Sonia ? J'en doute. Elle est bizarre, mais c'est sa fille. J'ai déjà vu pire, vous pouvez me croire. C'était peut-être... qu'est-ce que je raconte ? Jack n'aurait jamais été capable de manigancer un coup pareil. Bon, on oublie. Que pensez-vous de Frank Cassidy ? Aurait-il pu avoir un mobile ? Peut-être. Il y a quelques semaines... Joe m'a emmené à une réunion du syndicat des managers de boxe. Qui est dirigé par Cassidy. Ouais. Cassidy était obsédé par l'idée de faire interdire toute participation à des combats de championnat aux boxeurs sans manager. Voire, aux boxeurs sans manager syndiqué. Tout le monde semblait d'accord avec lui. Jusqu'à ce que Joe prenne la parole. Et il a dit que ça risquait de nous rabaisser au niveau de la pègre, que... Cassidy avait fondé le syndicat uniquement pour se faire de l'argent en monopolisant ce sport. Du coup, les autres se sont mis à réfléchir, et la proposition de Cassidy a été rejetée. Pauvre Cassidy. Desmond O'Leary pourrait être assez tordu pour avoir monté un coup pareil. Avait-il une raison d'en vouloir à Don ? Je sais pas trop s'ils se connaissaient. Pas en personne, en tout cas. Il y a un mois environ, Joe a viré un gars d'O'Leary du gymnase. Il était venu pour essayer de fourguer une carte de visite à... Jake Posturbé. Ouais, voilà. Jake vous en a parlé ? On peut dire ça, oui. Black Sad, je crois que je vous dois... Vous savez, mon père a disparu quand j'avais 6 ans, juste après avoir remporté un combat. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui. Vous savez ce que ça peut faire à un gamin ? Allez savoir ce que je serais devenu si Joe Dunn n'était pas entré dans ma vie. Même quand je me suis égaré et que je l'ai menacé avec un flingue quelques années plus tard, il m'a repris sous son aile et il a réussi à me remettre sur les rails.
Et maintenant qu'il n'est plus là, vous risquez votre vie pour retrouver son meurtrier. Merci. Merci, Paul. Le nombre de mégots est inversement proportionnel au nombre de mes heures de sommeil. Eh merde. C'est normal, ce mouvement d'œil. Les gestes de la main en disent long sur les émotions des gens. Il a l'air fébrile. Devrais-je en parler à quelqu'un ? Absolument pas de fièvre. Il doit faire un cauchemar. Vous êtes sûr? Vous ne feriez pas des cauchemars, vous, après ce qu'il a vécu hier. Moi, je sais que j'aurais du mal à dormir. Moi aussi, je fais des cauchemars. Mais ça ne date pas d'hier. Le pauvre. Je vais vous dire ce que c'est, mon cauchemar à moi. C'est cette sorcière avec qui je travaille. Encore heureux qu'elle soit affectée en chirurgie traumatique à midi et demi. Moi, j'aurais préféré que ce soit encore plus tôt. Enfin bon. Merci de m'avoir prévenu. Et puis de nous l'avoir amenée aussi. Je suis si excitée de me retrouver impliquée dans une affaire criminelle. Ce n'était peut-être pas important, mais... il fallait que je consulte son dossier médical. Salut. Enfin réveillé, mon joli.
vais vous prendre un paquet de Morlaise, s'il vous plaît. Chérie, un paquet de Morlaise pour Monsieur Bogos. Je vois que vous avez le dossier médical de Yale. Vous permettez que j'y jette un coup d'œil ? Ah, non, je crois pas, mon joli. Si vous me laissiez consulter le dossier de Yale, je pourrais vous emmener dîner quelque part après. Vous êtes bien joli, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas une cruche. Tant qu'elle sera là, je ne pourrai pas consulter le dossier médical de Yale. Les empreintes ne correspondent pas. Si Yale a tué Dunn, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. Apparemment, l'infirmière Biche sera l'assistante du docteur Talbot au cours de l'opération chirurgicale de 12h30. Dans 4 heures. Cette opération ne pourrait-elle pas avoir lieu un peu plus tôt ? Passez-moi le docteur Gregor Talbot, s'il vous plaît. Oui, une minute. En fait, non, le docteur Talbot ne devrait pas arriver avant midi et demi, d'après mon registre. Puis-je vous demander votre nom ? Chérie, ici le docteur Talbot. Nous devons décaler l'intervention de midi et demi. Je veux tout le monde en salle d'opération dans 5 minutes. Et s'il y en a qui râlent, je ne veux pas le savoir. C'est une question de vie ou de mort. J'ai compris ? Une question de vie ou de mort ? Une question de vie ou de mort ? Je t'en foutrais, moi. Ok, comment vous dire ça ? Il me faudrait... Mais... Seulement si vous devinez pourquoi je vous le donne. Vous avez envie de m'aider dans le cadre d'une enquête criminelle ?
Quelle sagacité! Mais promettez-moi de faire très vite, si l'autre sorcière revient. Qu'est-ce que ça raconte, là? Ah, bah ça, avec le docteur. Au-dessus, c'est mon écriture à moi. Alors, voyons. Extrasystole et déshydratation provoquée par une crise de panique. Extra quoi? De l'arythmie, quoi. Des battements de cœur irréguliers. Et ça, là? C'est une bonne chose que Monsieur Yale soit tombé sur le docteur Ferguson. Autrement, il y aurait eu de quoi s'inquiéter. Non, mademoiselle. C'est hors de question. Vous ne savez visiblement pas qui je suis, c'est ça? Mademoiselle, j'ai reçu des ordres. Et ces ordres... Ah, mademoiselle Dunn. Hein? Dites-le lui, Black Sad. Il est têtu comme une mule. Eh bien, voyez-vous, Highfield. C'est mon assistante, Jerry. Une assistante? Comment ça? Eh bien, pour mon enquête. Soit dit en passant, et sans vouloir vous offenser, mademoiselle, ne seriez-vous pas en train de pousser ce truc de féminisme un peu trop loin? Bon, bah, allez-y. J'imagine que c'est son boulot, après tout. Votre assistante? Vous trouvez vraiment que je pourrais faire une bonne détective? Ouais, vous êtes intelligente et courageuse. Deux de nos principales qualités. Oh là! Je crois bien que c'est la première fois que vous me dites quelque chose de gentil. Bref, vous avez fait votre travail. Je vous enverrai un chèque dès le lendemain du combat. Vous pouvez partir maintenant. Oh non. Elle va faire une grosse connerie. Sonia, non! Il a tué mon père! Vous l'avez dit vous-même! Non, je vous ai dit que je n'en étais pas sûr. Non mais regardez-vous! C'est lui qui vous a fait ça, pas vrai? Comment pourrait-il ne pas être coupable? Votre père ne vous aurait jamais laissé faire ça. C'était un homme juste. Et ça, ça n'a rien à voir avec la justice. La ferme! Rien de tout cela n'a d'importance. Comment pourrait-il ne pas être coupable? N'essayez pas de faire justice vous-même. Croyez-moi, cela vous hanterait jusqu'à la fin de vos jours. Je suis revenu de Los Angeles aussi vite que j'ai pu. Je t'avais dit au téléphone que c'était pas la alors, peine. Alors, ma chérie. Tu ne me présentes pas ton ami? Non, c'est John Black Sad, le détective qui a retrouvé Bobby. Oh, c'est donc strictement professionnel. Je croyais que tu avais une bonne nouvelle à annoncer à ton oncle. Arrête tes bêtises. Mes bêtises? Non mais regarde-toi, intelligente, cultivée, d'une beauté à faire pâlir la plus belle des étoiles. Il n'y a pas un seul homme dans cette ville qui ne voudrait pas être à tes pieds. Arrête. Non. Oh. Nous ferions mieux de le laisser se reposer. Non. Non. Je vois. Mais admettons que tes doutes soient justifiés et que Bobby Yale soit innocent. Vers qui devrions-nous tourner notre attention à présent? Nous? Ton père a refusé mon argent. Mais il m'a fait promettre une chose. Au cas où il lui arriverait quelque chose,
ce serait à moi de prendre soin de toi. Mais je peux... Je sais que tu es parfaitement capable de gérer toute seule ce gymnase. Mais nous ne savons même pas si Yael sera en mesure d'affronter Stone. Et puis, il semble clair que quelqu'un est fermement résolu à empêcher ce combat. De plus, il faudra bien que quelqu'un paye les honoraires de Monsieur Blacksad pour qu'il découvre le fin mot de cette histoire. S'il vous plaît, essayez de la raisonner. C'est votre vie. Vous avez beau aimer votre oncle, c'est à vous de décider si vous voulez ou non de son aide. Blacksad, moi qui commençais tout juste à vous apprécier. Très bien. Merci, tonton. Merci beaucoup. Allez, on arrête de pleurer. Tu as déjà suffisamment ruiné ton maquillage. Va te refaire une beauté. Je t'offre le petit déjeuner. Oh, attends, mon sac. Je m'en occupe. Il doit être... Blacksad, un instant. Je crois qu'elle aurait besoin de rester un peu seule. Tout comme vous et moi. Écoutez-moi bien. Quoi qu'il en coûte, vous allez retrouver l'assassin de Joe. Quoi qu'il en coûte. S'il devient nécessaire de vous salir les mains... N'ayez crainte, je m'occuperai du nettoyage. Ça marche ? Je ne suis pas un justicier. Bon, faites comme vous voulez. Tant que le ballon franchit la ligne de but... Non, ne me dis pas que tu as commencé avec tes histoires de bras d'acier. Mais oui, Team Bras d'Acier Torp, le quarterback des Milestones. Comment je ne vous ai pas reconnu plus tôt? C'est vrai que d'habitude, les gens me reconnaissent plus vite que ça. Blacksad, un petit déj, ça vous dit? J'aurais adoré, mais je dois aller demander un service à quelqu'un. Jake n'était ni chez lui, ni dans son bar habituel. Mais au troisième essai, j'ai réussi à le trouver. Ça va être tout pour l'aventure du jeu Blacksad Under the Skin Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!